Je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle l'effectuation, alors qui est un néologisme. Je vais y revenir bientôt. Comment les entrepreneurs fonctionnent, comment ils pensent ou ils agissent. Alors, face à une salle composée en très large partie d'entrepreneurs ou de quasi-entrepreneurs, le propos est un peu ambitieux. Et en fait, on pourrait dire que ça revient un peu à expliquer aux oiseaux comment ils volent. Et c'est pourtant très important parce que nous sommes dans des environnements dans lesquels on explique en permanence aux entrepreneurs que la façon dont ils volent naturellement n'est pas la bonne et qu'il faudrait qu'ils volent différemment. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle ce que j'appelle les mythes de l'entrepreneuriat, sur lesquels je vais revenir dans quelques instants. Et donc ce que je voudrais, au travers donc de cette fameuse effectuation, c'est montrer que il y a un renouveau de la pensée aujourd'hui sur l'entrepreneuriat qui consiste à dire intéressons-nous à ce que font vraiment les entrepreneurs et qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on peut lire dans beaucoup de littérature très savante à ce sujet. Donc ça va être l'objet de ce propos. Alors effectivement, quelques mots. Alors avant d'être universitaire, j'ai eu un vrai travail parce que, comme tu l'as dit, j'étais entrepreneur. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Digital Airways. On faisait du logiciel pour téléphone mobile. On a travaillé avec des gens comme Sagem, Alcatel. Alors j'ai coutume de dire, on a travaillé avec à peu près tous ceux qui sont morts au lancement de l'iPhone. Enfin, ça n'a aucun rapport, bien sûr. Hein. Il n'y a aucune relation de cause à effet. Mais voilà, notre business model a pris fin quand Steve Jobs a annoncé l'iPhone. Nous, on travaille avec les fabricants de téléphones. Aujourd'hui, on fait des applications sans avoir besoin de travailler avec les fabricants de téléphones. Donc, aujourd'hui, j'ai un autre métier, puisque je suis effectivement enseignant, chercheur, Joe l'a dit, toujours sur le thème de l'entrepreneuriat, de l'innovation, à AEM Lyon. Et donc, c'est mon travail actuel. Alors, les mythes de l'entrepreneuriat. Pour une raison assez étrange, l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui est caractérisé par un certain nombre de mythes. Alors, vous en connaissez certains. On pourrait y passer beaucoup de temps. Moi, j'en ai choisi quelques-uns que l'on entend de manière répétée. Si vous demandez aux gens dans la rue ce que c'est que l'entrepreneuriat, vous aurez un certain nombre de réponses assez typiques et qui correspondent, je crois, pas du tout à la réalité. Alors, le premier, c'est que l'entrepreneuriat, c'est en fait avoir une grande idée et puis ensuite développer cette idée. Hein, l'entrepreneuriat, il faut avoir une grande idée, il faut être visionnaire. Et donc, on développe, y compris dans l'enseignement, et je suis assez bien placé pour le voir, la notion selon laquelle, pour être entrepreneur, il faut d'abord avoir une grande idée. Et donc, on a des cours de créativité, des cours de... Alors, on a des termes absolument extraordinaires d'idéation. Pour que des gens qui ont été formés à résoudre des problèmes soudain se transforment en génie créatif pour ensuite devenir entrepreneur. Le corollaire étant que c'était un peu mon cas, hein, si vous n'êtes pas créatif spontanément, dommage, vous ne pouvez pas être entrepreneur, donc en attendant, vous êtes coincé. Et d'ailleurs, la majorité des ouvrages sur l'entrepreneuriat s'intitulent, alors sous des variantes, hein, « De l'idée au marché ». Tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton idée, vous ne pouvez pas être entrepreneur. Il y a juste un souci avec cette conception de l'entrepreneuriat, c'est qu'elle ne correspond quasiment pas du tout à la réalité. On a bien sûr des légendes d'entrepreneurs visionnaires. Hein, alors, Dupont est en train de prendre sa douche et tout d'un coup, il imagine l'Internet 3.0 ou Martin est en train de marcher dans la forêt de Fontainebleau et puis tout d'un coup, il imagine... tel concept, c'est très rare. La plupart des entrepreneurs débutent de manière beaucoup plus simple et basique. Je vais vous citer quelques exemples. Hein. Là aussi, il y en a. J'en accumule. Chacun ses hobbies. Hein. Enfin, j'essaye d'en accumuler. Walmart, hein, la chaîne de supermarchés américaine, hein, qui fait 360 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Comment débute Walmart? Alors, Sam Walton, c'est quand même l'inventeur du supermarché. Quand je dis ça à mes enfants, le supermarché, qu'est-ce qu'il y a de plus banal aujourd'hui qu'un supermarché? Sauf que c'est un concept extrêmement novateur qui naît au cours, on va dire, de la première moitié du XXe siècle. Sam Walton est l'un des inventeurs du supermarché. Quand on lui demandera dans les années 70 d'où lui est venue cette idée géniale du supermarché, il dira, comme tous les éclairs de génie, il a mis 20 ans à germer. Alors, comment commence Sam Walton? Sam Walton, c'est quelqu'un qui vit dans l'Arkansas. Alors, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui sont allés dans l'Arkansas.
C'est pas très grave, en fait, hein, si vous n'y êtes pas allé. La dernière fois que j'ai posé la question, il y avait quelqu'un, c'était international, il y avait un gars de l'Arkansas, donc j'ai dû faire un peu attention, mais il a convenu qu'effectivement, c'est un peu au milieu de nulle part. Et Sam Walton commence donc dans les années 50, il n'a pas un sou, et il ouvre un magasin de quincaillerie, tout à 1 euro, enfin c'était des dollars, hein, mais... Et comme il n'a vraiment, vraiment pas d'argent, il ne peut pas s'installer dans le centre. Hein. Alors vous savez que quand on fait du commerce, il faut être dans l'avenue la plus visitée de la ville, il faut être vraiment dans le centre. Il n'a pas les moyens de se payer un magasin dans le centre, donc il va dans la périphérie. C'est un handicap, sauf qu'à l'époque, développement de l'automobile, les gens commencent à avoir du mal à aller dans le centre des villes, et être en périphérie, qui était un inconvénient, devient un avantage, il comprend rapidement, il commence à offrir un parking, et peu à peu, ça s'étale sur une bonne quinzaine d'années, émerge le concept de supermarché par une suite d'expérimentations, d'apprentissages, d'échecs, etc. etc. Voilà. Donc, le supermarché n'est pas un éclair de génie, hein, c'est une construction. Et donc, cette fameuse idée de l'entrepreneur, en fait, elle est beaucoup plus le résultat d'un processus que le point de départ. Alors, il y a plein d'autres exemples. Vous avez, j'imagine, sûrement vu le film Social Network, hein, sur la naissance de Facebook. Alors, il n'est pas forcément d'une exactitude universitaire quant à l'histoire réelle, mais il reflète bien le fait que comment on commence Facebook par une blague de potache. Hein. Donc Zuckerberg se fait plaquer par sa petite camarade. C'est la scène d'ouverture du film qui est absolument surréaliste. Il n'est pas content, il veut se venger, il rentre dans sa piole et puis il fait un site pour comparer les filles du campus, en gros. Et ça, au bout d'un moment, et c'est très bien décrit dans le film, par une suite d'interactions, d'accidents, etc., ça devient Facebook. Alors, ça sera un peu plus rapide que Walton, hein, puisque ça prendra quelques semaines, mais ce n'est pas du tout un éclair, un espèce d'éclair de génie. C'est le résultat d'un processus. Alors, il y a plein d'autres exemples. IKEA, alors je ne sais pas si vous savez comment IKEA s'est créé. En 1943, c'est un magasin de journaux, en fait. Hein. Alors, ils vendent également du poisson séché, parce qu'on est en Suède, hein, donc au lieu de manger des carambars, ils mangent du poisson séché. Et puis, de fil en aiguille, il finit par être dépositaire pour des gens qui ont acheté des choses par correspondance. C'est l'après-guerre. Et IKEA mettra 10 ans avant de devenir ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, 10 ans avant d'offrir sa propre ligne de meubles montables, hein, donc 43, 53, etc., etc. Il y a plein d'autres exemples. Donc, le premier mythe, c'est celui de la nécessité d'être un génie créatif. Sony s'est créé sans aucune idée. Hein, Sony, en 1945, se crée parce qu'il y a un groupe d'ingénieurs qui veut travailler ensemble. Ils créent l'entreprise et après, ils se disent qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et ils ne réfléchissent pas du tout aux produits qu'ils vont pouvoir faire. Ils réfléchissent aux valeurs de l'entreprise qu'ils souhaitent créer. Et donc, ils vont passer des semaines à réfléchir aux valeurs. C'est un document qui, vous pouvez le trouver sur le net, qui est un document extraordinaire qui a ancré le développement de Sony pendant ses 40 premières années. Et d'ailleurs, Sony, on peut attribuer le déclin de Sony au fait qu'ils ont cessé de suivre ses valeurs. C'est un cas en lui-même absolument passionnant. Hewlett-Packard s'est créé de la même manière. Hein. Monsieur Hewlett et Monsieur Packard ont fait leurs études ensemble, ils ont voulu créer l'entreprise ensemble, ils ont créé l'entreprise, et après ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et ils ont mis quelques années avant de trouver un produit. Donc la bonne nouvelle, c'est que si vous n'êtes pas créatif, vous pouvez quand même être entrepreneur. Alors le deuxième, alors ça c'est un grand classique, vous demandez à monsieur lambda ou à madame lambda dans la rue, c'est quoi être entrepreneur ? C'est prendre des risques. Donc l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lève le matin en disant, tiens, qu'est-ce que je peux vraiment faire de risqué aujourd'hui ? Alors hier, j'ai essayé de me jeter... je sais pas, de la Tour Saint-Jacques, j'ai pas réussi à mourir, je suis allé au casino, j'ai claqué 100 000 euros, qu'est-ce que vraiment je peux faire de risqué ? Donc c'est une espèce d'être un peu différent de nous, ou des autres, hein, qui vraiment vit pour l'amour du risque. Je vous apprendrai pas grand-chose, je pense, en vous disant que c'est pas exactement la personnalité des entrepreneurs, contrairement à ce qu'on raconte à longueur de journée. L'entrepreneuriat est une activité humaine. Comme toute activité humaine, elle est risquée, elle comporte des risques, hein, mais même jouer au bridge peut être dangereux, même prendre le train peut être dangereux, toute activité humaine est dangereuse. Les entrepreneurs ne sont pas des gens qui sont motivés par la prise de risque, mais qui savent que leur activité est risquée, et donc ils vont développer des stratégies pour contrôler le risque. Et le mot « contrôle » est un mot très important dans le vocabulaire entrepreneurial, c'est comment je vais pouvoir contrôler le risque que je dois nécessairement prendre. On verra tout à l'heure qu'il y a des stratégies qui sont développées, notamment des stratégies sociales. En gros, je ne travaille pas tout seul.
Alors, un autre mythe sur la prédiction, hein, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, alors un peu lié à la vision, hein, qui est capable de dire oh, j'ai la vision du marché de, alors vous remplissez la case, hein, de l'Internet collaboratif, des pilules qui rendent intelligentes, etc. Je sais comment ça va être dans 10 ans. Et sur la base de cette prédiction, de cette vision, eh bien, je peux créer mon entreprise. Là encore, on a fait plein d'études. Alors, évidemment, à l'université, on aime beaucoup faire des études pour essayer de comprendre. La nuit, on dépèce des entrepreneurs pour savoir comment ils fonctionnent vraiment. Et on n'a jamais réussi à montrer qu'ils arrivent à mieux prédire l'avenir que les autres. Alors, ça tombe bien, parce que comme prédire l'avenir, c'est impossible. Donc un des autres hobbies que j'ai, c'est de collectionner des grandes déclarations d'experts sur ce que serait l'avenir, hein, donc le voler avec le plus lourd que l'air, c'est pas possible. Alors la dernière prédiction, c'est un expert qui a écrit un livre sur l'intelligence artificielle il y a une dizaine d'années. Alors il se trouve que moi j'ai un DEA d'intelligence artificielle. Alors, je peux de nouveau le dire parce que c'est à la mode maintenant. Mais là, pendant une vingtaine d'années, je ne le disais pas, j'avais un DEA d'informatique, parce qu'on avait conclu que l'intelligence artificielle, finalement, c'était un échec. C'est la grande conclusion des années 80. Et comme toujours, quand on conclut qu'un truc n'est pas possible, c'est en général qu'il est en train de devenir possible. Et donc, ces experts ont écrit un livre qui expliquait que l'ambition de l'intelligence artificielle des années 70, elle était trop grande et qu'il fallait être plus raisonnable, et qu'on allait avoir des technologies qui permettaient de faire des choses relativement simples, hein, du calcul, etc., mais que des choses typiquement humaines et vraiment trop complexes, comme conduire une voiture, les ordinateurs ne seraient jamais capables de le faire. Hein, c'était il y a 10 ans. Voilà. Aujourd'hui, vous avez la Google Car qui conduit. Donc les entrepreneurs sont très mauvais pour prédire l'avenir, et ça tombe bien parce que ce n'est pas du tout la manière dont ils fonctionnent. Ils ne le prédisent pas, ils le construisent, hein, et on verra tout à l'heure comment concrètement ça se passe. Alors le côté super-héros, alors là aussi on a l'entrepreneur, alors on a des biographies, vous en avez sûrement tous et toutes lues, hein, Steve Jobs, Microsoft, etc. Vraiment, alors ils sont charismatiques, intelligents, dynamiques, performants, ils savent lever de l'argent, ils sont super connectés, ils sont en plus toujours au bon endroit. Donc quand on fait la liste des caractéristiques que doivent posséder des entrepreneurs, c'est même pas des moutons à 5 pattes, hein, c'est à 6, 7, 8, 10 pattes. Alors quand vous lisez ça, vous dites, moi je suis pas comme ça, moi je suis pas super charismatique, etc. Et on a en fait une vision très très biaisée de ce que sont les entrepreneurs au travers de quelques Richard Branson, etc., de gens qui sont effectivement extrêmement talentueux, mais qui ne sont pas du tout représentatifs de ce que sont 99% des entrepreneurs. Alors, sans paraphraser Coluche, hein, il y en a des grands, il y en a des petits, ce qu'on observe, c'est que l'entrepreneuriat, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une activité qui est exercée par une extrême diversité de gens, donc des hommes et des femmes, bien sûr, des blancs, des noirs et toutes couleurs que vous pouvez imaginer, dans tous les contextes. Hein, on a des entrepreneurs qui ont des doctorats, des entrepreneurs qui savent à peine lire et écrire. C'est universellement, géographiquement déployé. Il y a des entrepreneurs, Patrick le rappelait tout à l'heure, il y a des entrepreneurs partout, y compris en Corée du Nord. Hein, c'est un des rares trucs, un des rares vices qu'on n'ait jamais totalement réussi à éradiquer dans le monde, et pourtant on a essayé. Il y a des entrepreneurs, là aussi Patrick le disait tout à l'heure, à tous les âges, hein, on a des entrepreneurs qui lâchent, alors le mythe de je lâche mes études à 19 ans pour devenir millionnaire, mais on a des entrepreneurs qui démarrent, l'année dernière j'ai entendu l'interview d'un entrepreneur qui démarrait à 80 ans. Il y a des circonstances dans lesquelles on devient entrepreneur, hein, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur, ou je suis licencié et puis par une suite de hasard je finis par créer ma boîte, etc. Il y a des formes d'entrepreneuriat, il y a la start-up, il y a l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat associatif, etc., etc., etc. Donc il n'y a pas un modèle unique, et il faut, je pense, et c'est important parce que moi j'ai été entrepreneur, je ne me suis jamais considéré comme un super-héros, hein, parce que je ne suis pas forcément charismatique, enfin, vous en êtes rendu compte, mais chacun a des qualités. Alors l'entrepreneur, son talent, ça va être évidemment de s'appuyer sur ses qualités. Alors, comme disait Coluche, ceux qui sont petits, moches, etc., c'est très dur, mais chacun a des qualités. Et pour les qualités qu'on ne possède pas, qu'est-ce qu'on fait? On s'entoure. D'accord? Donc, de nouveau, cette idée de la qualité fondamentale de l'entrepreneur, je crois, est celle de savoir s'entourer. Et on va voir tout à l'heure pourquoi c'est particulièrement important. Lié à ça aussi, alors les biographies des gens que j'ai cités, hein, Branson, Bill Gates, Steve Jobs, sont toujours au singulier, hein, moi, ma vie, mon œuvre, hein, comment j'ai créé Microsoft.
Il faut savoir que Microsoft, donc créé en 1975, est allé s'installer au Nouveau-Mexique, à Albuquerque, pour une raison, alors, qui n'est pas exactement un pôle high-tech, pour ceux qui y sont allés, qui ne l'étaient pas à l'époque, puis ça n'a pas beaucoup changé. Ils sont allés là parce qu'il y avait leur premier client, en fait, juste avant d'aller à Redmond. Moins de 6 mois après leur création, Microsoft, ils étaient déjà 11. Donc ça n'enlève aucun mérite à Bill Gates. L'un des mérites de Bill Gates, ça a été justement, et il a toujours été extrêmement explicite là-dessus, c'est celui de savoir recruter des gens compétents. Et d'ailleurs, il disait, quand on voit quelqu'un de compétent qui passe, on le recrute et après on se demande ce qu'on peut lui faire faire. C'est un truc que j'ai jamais réussi à faire. Moi, c'était plutôt, j'aimerais bien recruter quelqu'un, mais j'ai pas les moyens. Enfin, c'est une autre histoire. Mais lui, il était très riche, donc il pouvait avoir ce type de principe. La plupart des entrepreneurs ne démarrent pas seuls. Alors, on a des grands inconnus de l'histoire. Si je vous demande qui est James Cousins. Alors, c'est l'associé de quelqu'un de relativement peu connu qui s'appelle Henry Ford. C'est lui qui a monté l'usine d'Henry Ford. C'est lui qui a trouvé les financements. Parce que Henry Ford, il avait fait faillite 2 fois. Donc, il était un peu radioactif dans la communauté du Midwest, mais James Cousins a monté l'équipe de management, etc., etc. Édouard Buffard, l'associé du baron Bic, c'est lui qui, dans le Paris de l'immédiate après-guerre, trouve le dernier ouvrier qui est capable de faire des pointes de stylo-plume pour Parker, qui est le client avec lequel démarre Bic. Alors, il n'y a pas d'histoire d'Édouard Buffard, son rôle est néanmoins fondamental. Donc, attention à ce biais, les entrepreneurs, vous le savez, se mettent en avant pour des raisons souvent très pratiques. Moi, j'ai vécu ça aussi. On m'a dit, non, il faut que tu te mettes en avant et tout. Bon, OK. Mais il y a des gens derrière. Et c'est pas, faut pas juste dire ça pour être sympa en disant non, mes collaborateurs. Non, c'est vrai, c'est concret. Et c'est pas parce qu'on n'en parle pas que c'est pas fondamental. Et encore une fois, on peut vraiment arguer que la capacité de l'entrepreneur à s'entourer, d'abord de collaborateurs, puis de clients, etc., donc à construire ce qu'on va appeler un réseau de parties prenantes, est à mon sens la qualité fondamentale. Alors, Sarah Sarasvati, tu l'évoquais, c'est une entrepreneuse, c'est une fille formidable, si vous avez un jour la chance de la rencontrer, ancienne entrepreneuse qui décide de faire de la recherche, elle arrive aux États-Unis, elle a comme directeur de thèse Herbert Simon, prix Nobel de l'économie, il a inventé l'intelligence artificielle, il est à l'origine de la pensée sur le design, enfin, il est à lui seul à l'origine de 3 champs essentiels de la pensée humaine, enfin, quand vous avez lui comme directeur de thèse, vous passez 5 années absolument extraordinaires. Et elle démarre avec une question toute simple. Elle dit, je ne me reconnais pas vraiment dans ce que je lis sur l'entrepreneuriat. Et au fond, si on dit, l'entrepreneur, ce n'est pas forcément un génie créatif, ce n'est pas quelqu'un qui a une espèce de flash de génie, mais c'est quelqu'un qui bosse au quotidien. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait au quotidien qui l'amène à un moment donné à avoir ce qui devient une idée d'inventer le supermarché, inventer Ikea, inventer Facebook, etc., etc. Donc, elle fait un travail de recherche extrêmement intéressant, puisqu'elle demande, elle confronte les entrepreneurs à des problèmes, lancer un produit, aborder un premier client, etc., et elle leur demande de réfléchir à haute voix, pour éviter le biais cognitif, etc. Et elle met en avant 5 principes qu'elle va regrouper sur le terme d'effectuation, que je vais évoquer rapidement avec vous. Alors, ces 5 principes qu'elle appelle le principe de la logique entrepreneuriale, alors ce sont des principes, c'est-à-dire qu'elle observe que les entrepreneurs qui ont déjà créé plusieurs entreprises ont tendance à employer ces principes de manière majoritaire. Vous allez voir qu'ils sont en opposition à ce qu'on peut entendre d'habitude, mais je les présente de manière un peu extrême, mais il faut savoir que c'est utilisé de manière générale. Le premier principe, c'est que les entrepreneurs démarrent avec ce qu'ils ont sous la main. C'est-à-dire qu'au lieu de se fixer un objectif et de se dire de quoi j'ai besoin pour atteindre cet objectif, que d'ailleurs personne ne me donnera jamais, ils se disent qu'est-ce que j'ai sous la main, et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai sous la main. D'accord ? Donc on invertit ce qu'on apprend en école de commerce notamment, c'est on vous l'a fait quand vous avez 8 ans, on vous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un objectif. Alors, tu as parlé de repas, reprenons cette métaphore. Imaginez que vous avez vous voulez inviter des amis à manger demain à 20h. Vous avez 2 possibilités. La première possibilité classique, qui est de dire demain à 20h, j'ai 10 personnes.
je vais imaginer le menu, donc ça c'est mes objectifs, hein, entrée, plat, dessert, levain, etc. Une fois que j'ai le menu, je vais trouver les recettes, il va falloir que j'ai la liste des ingrédients, je vais aller acheter les ingrédients, hein, j'assemble mes ressources en langage managérial, et ensuite je m'organise pour que demain à 20h, le repas soit prêt. Là, c'est le côté organisation, planification, etc. Vous connaissez ça par cœur. Ça, c'est l'approche, on va dire, managériale. Un entrepreneur, lui, 2 heures avant que les amis n'arrivent, dit « Oh là là, il est déjà 18h, j'ouvre le frigo, qu'est-ce que j'ai dans le frigo et qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» D'accord ? Donc là, c'est les ressources disponibles qui vont déterminer, avec de l'imagination, ce qu'on peut faire. Et en situation de contrainte, c'est pas moi qui vais vous apprendre qu'on est super créatif. Enfin, moi, je cuisine très mal, mais voilà. Donc, avec des ressources et des contraintes, la contrainte est fondamentale pour la créativité, eh bien, on se dit, bah, qu'est-ce que je peux faire ? Et on commence à cuisiner, et à ce moment-là, on se dit, ah, zut, il manque de l'huile d'olive. Que ferait l'entrepreneur effectuel ? Alors, il y a ça, ouais, mais j'ai vraiment besoin d'huile d'olive. Voilà, le voisin, hein, l'entrepreneur effectuel, se tourne vers son environnement et se pose la question qui, à mon avis, la seule vraie question de l'entrepreneur, c'est qui peut m'aider à résoudre le problème que j'ai là, maintenant ? Qui ? Et donc, je vais voir mon voisin, à qui je n'ai pas adressé la parole depuis 15 ans, bien sûr, en disant, bon, je ne t'ai pas parlé depuis 15 ans, mais là, j'ai vraiment besoin d'huile d'olive, donc est-ce que tu peux vraiment me la passer ? Et d'ailleurs, en fait, en discutant, on s'aperçoit qu'il est super sympa et on l'invite, etc., etc. Quelles sont les 3 ressources fondamentales de l'entrepreneur, hein, qui vont donc déterminer ce qui est possible de faire avec de l'imagination ? Ben, c'est d'abord lui-même ou elle-même. Hein, voilà, il y a encore 10 minutes, je discutais avec l'un d'entre vous, je sais pas, oui, voilà, je le vois là-bas, et je lui dis, ben, d'où vient ton projet entrepreneurial ? Il m'a dit, de ma passion. On fait ce qu'on aime, et peu à peu, ça nous amène à des projets entrepreneurs. C'est absolument fascinant de voir que certains entrepreneurs disent, oh, ben, les premières semaines, pour moi, c'était même pas un business, en fait. C'est un truc que j'adorais. Puis à un moment donné, ça a mis du temps à percuter, mais je me suis dit, ben, en fait, je peux être payé pour ça, en fait. Donc c'est dans lui-même ou elle-même que l'entrepreneur puise bien les premiers élans entrepreneuriaux. Ce qui veut dire que c'est très personnel, quelque chose qui va vous motiver pour à moi me laisser complètement indifférent. Non, ça ne m'intéresse pas du tout, etc. Donc c'est très personnel. Deuxième ressource, c'est bien sûr nos connaissances, hein, ce que l'on sait faire de manière explicite ou implicite. Et puis bien sûr, qui on connaît. Hein, donc là, c'est vraiment le réseau. Hein, donc là encore, c'est vers qui je peux me tourner pour résoudre le problème que j'ai. Voilà, donc les entrepreneurs démarrent avec ce qu'ils ont sous la main et à partir de là, déterminent en imaginant ce qu'ils peuvent faire à partir de ça. Et donc, c'est vraiment un exercice de créativité, mais concret. Deuxième principe, c'est la perte acceptable. Alors, on a tous appris, je pense, en école de commerce ou en formation, que, alors notamment en finance, hein, c'est que quand on veut choisir, déterminer si on investit dans un projet ou pas, on va faire ce que va nous rapporter le projet, moins ce qu'il va nous coûter. Puis si ça nous rapporte plus que ça nous coûte, eh bien, on va faire le projet. Hein. La valeur actuelle nette, vous avez peut-être fait ça. Donc ça, là, je viens de vous faire un cours de finance en 10 secondes. Alors, il y a juste un souci quand on est entrepreneur, c'est qu'on sait ce qu'on dépense, mais on sait rarement ce qu'on va gagner dans les semaines qui viennent à la suite de notre travail. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout rationnel pour un entrepreneur, qui en général est en situation d'incertitude, de baser sa décision sur des dépenses qu'il ou elle connaît généralement plutôt bien. Faire un budget, c'est toujours assez facile. Enfin, facile, c'est... Voilà. Mais ce qu'on va gagner, ça dépend de si on est capable de développer le produit, si on est capable de le vendre, de combien on va le vendre, en quelle quantité, etc., etc. Et donc, très logiquement, les entrepreneurs ne fonctionnent pas du tout comme ça. Ils fonctionnent en perte acceptable, c'est-à-dire qu'ils disent, je vais faire ça parce que je suis prêt à perdre ça, donc je borne ma perte. Et je vais voir ce que ça me rapporte. Alors, typiquement, pour caricaturer, c'est un cadre qui se fait licencier, et puis il se dit, plutôt que de rechercher un job, je vais réfléchir à cette idée qui me trotte dans la tête depuis un moment. Je vais y consacrer 6 mois. 5 000 euros de dépenses en déplacement, etc. Ça, c'est... Je contrôle ma perte. Rappelez-vous, hein, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui contrôle le risque. Donc, je borne ma perte. C'est-à-dire que je suis déjà prêt à le perdre. Et je ne sais pas vraiment ce que ça va me rapporter. Dans 6 mois, je ferai le point. Peut-être que j'aurai un premier client. Peut-être que j'essayais de vendre un produit, mais finalement, j'ai eu une mission de conseil, etc., etc. Et dans 6 mois, je refais le point et je recommence. Hein. Donc, on est en perte acceptable. Le gain attendu, lui, en incertitude, il est très difficilement estimable. Voilà. Les entrepreneurs raisonnent en perte acceptable et pas en retour attendu.
Troisième principe, donc, qui rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure hein, sur la nature extrêmement sociale de l'entrepreneuriat. On retrouve ici une activité. Alors, j'ose à peine maintenant demander qui fait du patchwork dans la salle, parce qu'on m'a dit que c'était totalement ringard. Donc, il paraît même que ça revient à la mode tellement c'est ringard. Donc, c'est circulaire. Donc, le patchwork, c'est une activité plutôt féminine, tranche d'âge, on va dire 65+, hein, qui consiste à se rassembler, se réunir avec des morceaux de tissu et pour faire des descentes de lit, des rideaux, etc. Alors, c'est une métaphore parce qu'en fait, on ne sait jamais à l'avance qui va venir le jour J à leur H. On ne sait pas non plus ce que chacun va apporter, mais tous ensemble, on va construire un objet qui est en fait un assemblement de ressources, un assemblage de ressources, pardon. L'entrepreneuriat, c'est pareil, hein, c'est une activité sociale qui consiste à convaincre des gens de rejoindre notre projet, et ils rejoignent leur projet, non pas en disant « j'aime beaucoup ce que vous faites », on vous l'a sûrement fait ça, vraiment, on l'a fait très souvent, hein. « J'aime beaucoup ce que vous faites », mais ça, ça apporte rien, ça. Donc la prochaine fois qu'on vous demande, quand on vous dit « c'est bien, j'aime beaucoup ce que vous faites », il faut répondre, au moins vous retirez ça de cette intervention. Maintenant, vous répondrez « ah, vous aimez ce que je fais ?» Et comment vous pouvez m'aider alors, concrètement ? Et là, vous avez deux réactions possibles, c'est « excusez-moi, je suis garé en double fil », bon, voilà. Ou alors « ah, peut-être que je connais machin », etc. Et là, on est partie prenante au projet, et là, on construit le patchwork. D'accord ? Donc, l'entrepreneuriat, c'est la construction du patchwork, c'est aller trouver des gens qui vont s'engager dans le projet en apportant des ressources symboliques, concrètes, financières, etc., etc., et qui donc vont faire grandir le projet. Voilà, nombre croissant de parties prenantes. Quatrième principe, la surprise. Hein. Alors, les Anglais disent, si la vie vous envoie des citrons, vendez de la limonade hein, ou de la citronnade. Le rôle de la surprise, évidemment, est absolument fondamental. Hein. Beaucoup d'entreprises se sont créées ou ont évolué sur la base d'une surprise. Alors, en innovation, c'est classique. Hein. Le post-it est né d'un échec technique. J'évoquais tout à l'heure mon entreprise. Hein. On développait un logiciel pour téléphone mobile et on est allé voir un client. On a fait une super démonstration parce qu'on était super bon pour faire des démonstrations, un peu moins pour obtenir des bons de commande parce qu'on pensait qu'il suffisait d'être super bon pour que les gens passent des bons de commande. Donc on fait notre super démonstration. C'était vraiment Broadway, hein, ça clignotait dans tous les sens. À la fin, les clients ont applaudi. C'est un grand fabricant de téléphone. Et ils nous ont dit, vraiment, vous avez le meilleur produit du marché, on s'y connaît. Donc là, on se dit, c'est bon, quoi, on a atteint l'objectif. Ils nous disent, mais bon, on a déjà choisi un autre produit, donc on ne va pas pouvoir bosser avec vous. Donc là, vous passez, évidemment, enfin, vous avez tous connu ça, hein, au fin fond du désespoir, adieu, veaux, vaches, cochons, etc. Et là, il a ajouté, mais en regardant votre techno, ça me fait penser quand même que vous pourriez l'utiliser pour un truc qui commence, on était en 2003, hein, un truc qui commence un petit peu à nous ennuyer, ça s'appelle l'interface utilisateur. Alors nous, comme on a été bien élevés, on était focalisés à mission, vision, objectif, putain, on dévie pas de l'objectif. Après, on a appris qu'on avait le droit, que ça s'appelait pivoter, mais à l'époque, on n'avait pas le droit, hein, il fallait être... Donc, on a été super professionnels, on a ignoré complètement, évidemment, ce que disait le gars qui n'était pas notre client. Et puis, 15 jours après, ou 3 semaines après, on le recroise totalement par hasard, et il dit, bon, vous avez réfléchi à mon idée, de quoi vous nous parlez? Et là, on a été un peu moins bêtes. On l'a écouté et c'est devenu le produit principal de l'entreprise. C'est toujours le produit principal de l'entreprise. La surprise. Cinquième principe, alors qui est un peu philosophique, hein, qui est le pilote dans l'avion. Je vous ai dit tout à l'heure que les entreprises, les entrepreneurs ne prédisent pas l'avenir, hein, ils le construisent. Et donc, ça veut dire que la plupart des marchés aujourd'hui, on ne peut pas les imaginer, on peut les construire. Et c'est ce que font les entrepreneurs au travers des mécanismes que j'ai évoqués, hein, c'est-à-dire que comme on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, on va se tourner vers notre environnement et on va construire des choses avec les gens, petit morceau par petit morceau, et ça, au bout d'un moment, ça devient l'avenir. Donc plutôt que de se lancer dans des exercices de vision, etc., qui sont, enfin, c'est très intéressant, amusez-vous à relire des exercices de scénario planning d'il y a 10 ans, c'est hilarant, hein. Enfin, sauf si vous avez payé, mais c'est très très drôle de voir à quel point les gens se sont trompés. Voilà, c'est un des troisièmes des hobbies que j'ai, hein, encore un. On ne peut pas prévoir l'avenir, donc il vaut mieux le construire sans avoir une idée finale, mais on avance avec des clients, et puis un jour on s'aperçoit que ah, ça alors, on est sur un nouveau marché, que comme par hasard, on est nous en train de construire. Voilà, donc ça, ça remet l'entrepreneur qui avait été évacué de la pensée économique, hein, ça le remet au centre, hein, de la création économique, et je crois que c'est vraiment d'actualité aujourd'hui, hein. Ce n'est pas le CAC 40 qui va nous sauver, hein, c'est cette action au quotidien entrepreneurial. Donc sortons du mythe et intéressons-nous à la façon dont concrètement l'entrepreneur crée l'avenir. Et alors ça nous donne, donc rapidement pour expliquer pourquoi on parle d'effectuation, dans la pensée classique on vous demande de commencer par un but, d'accord ?
voilà, conquérir 4% du marché, etc. Et vous dites, comment je vais pouvoir atteindre ce but ? D'accord ? La pensée effectuelle, c'est le contraire, c'est voilà, de quoi je dispose, qu'est-ce que j'ai sous la main, ressources humaines, ressources techniques, ressources symboliques, etc. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça ? D'accord ? Voilà. Donc c'est pour ça que ça s'appelle effectuation, parce qu'on fait varier les effets possibles d'une cause donnée. Donc là, on est dans une logique d'optimisation, hein, comment atteindre un objectif avec le moins de ressources possible. Et là, on est dans une logique de création, de créativité, c'est comment faire des trucs incroyables avec le peu de ressources que j'ai. D'accord ? L'avantage, c'est que je les ai. Et donc, ça donne, pour terminer, il fallait que je termine avec un schéma compliqué, parce que sinon, je ne suis pas universitaire, mais ça ne dit rien de plus, hein, c'est-à-dire que le processus entrepreneurial, ça démarre de l'individu et non pas de l'idée, d'accord ? Ça démarre de vous. Qui suis-je ? Qu'est-ce qui me passionne ? Qu'est-ce qui me scandalise ? Qu'est-ce qui me choque ? Quel est le problème auquel je suis confronté ? Qu'est-ce que j'ai sous la main ? Qui je connais ? À partir de là, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? D'accord ? J'interagis avec des tiers. S'il n'y a pas d'engagement, mon truc intéresse personne, je reviens ici. S'il y a des engagements, c'est-à-dire quelqu'un me dit « Ah, je me souviens, tu citais l'exemple de Michel et Augustin, et ils voulaient faire des cookies, mais ils n'avaient pas une usine. Ils sont allés voir leur boulanger et ils lui ont dit « Tu ne te sers pas de ta boulangerie le lundi parce que tu es fermé, est-ce que tu peux la mettre à notre disposition ?» Ça, c'est très entrepreneurial, c'est « J'ai un problème à résoudre, je me tourne vers mon environnement et je fais un engagement de partie prenante. » Et donc, à ce moment-là, j'ai de nouveaux moyens, hein, parce que du coup, Michel et Augustin avaient évidemment une boulangerie pour toute une journée. Hop, du coup, ils peuvent faire plus de choses, interagir avec plus de gens, certains vont s'engager, plus de ressources, donc des buts plus ambitieux. Et vous avez, au bout d'un moment, une espèce d'effet boule de neige. Hein, on commence tout petit. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, ça accélère très vite. D'accord ? Parce qu'évidemment, c'est exponentiel, hein, l'effet réseau. Et donc, au bout d'un moment, vous arrivez avec des nouveaux produits. Michel Augustin est un exemple, il y en a plein d'autres. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voudrais terminer juste en disant que l'entrepreneuriat, c'est un exercice social, au sens de c'est aller travailler avec d'autres, plus qu'un exercice de créativité, de vision, etc. Et comme je l'ai dit au début, l'effectuation n'est pas une nouvelle théorie. L'effectuation, c'est juste apprendre ou rappeler aux oiseaux comment ils volent spontanément. Quand on arrive au bureau le lundi matin, on nous dit qu'il ne faut surtout pas penser comme ça, il faut des objectifs, etc. Mais on fait tout ça le week-end. Hein. Vous croisez un ami, « Ah, salut, comment ça va ? Qu'est-ce que tu deviens ? » Je fais ça. « Ah, c'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai croisé un tel. » Et hop, on commence à échafauder des choses ensemble. On fait tout ça spontanément. Donc, ça serait bien que dans le monde de l'entrepreneuriat, on fasse aussi ça. D'ailleurs, c'est ce que font la plupart des gens jusqu'au moment où on leur explique qu'il ne faut pas faire comme ça et qu'il faut avoir des idées. Voilà, donc j'ai couvert ça et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par la première question. J'avais vu ça dans une petite vidéo interview de Sarasvati. Elle commentait notamment l'utilité, voire l'inutilité d'écrire un business plan. Et elle disait dans son interview qu'elle était ravie que finalement la plupart des business schools avaient oublié, éliminé tout ce qui était concours de business plan. Deux choses. D'abord, les business schools n'ont pas du tout oublié les concours de business plan. Moi, je suis responsable d'un cours d'introduction à l'entrepreneuriat qui commence dans 15 jours, d'ailleurs, à EM Lyon. J'ai 560 étudiants. Et j'ai décidé de supprimer le concours final. Et je suis sous une pression double des étudiants et de l'administration qui dit « Mais comment ? L'entrepreneuriat, ça termine par un concours de business plan. » Et je leur dis, non, l'entrepreneuriat, tout le monde peut gagner, en fait. Et en général, ceux qui gagnent le concours de business plan, c'est pas ceux qui... C'est-à-dire que ceux qui vont créer vraiment une entreprise, c'est ceux à qui on a mis 8 sur 20 parce que leur business plan est nul. Enfin, moi, j'ai arrêté définitivement de... Parce que je me suis tellement trompé sur le potentiel. Enfin, je rentre pas sur le sujet, mais on pourra en parler. D'abord, l'effectuation ne s'oppose pas au business plan. L'effectuation, c'est un mode de raisonnement qui est utilisé avec l'autre mode de raisonnement qu'on appelle causal. Hein, donc, les entrepreneurs utilisent les deux. Les deux sont nécessaires en fonction des situations. Effectivement, dans la partie initiale, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire un business plan puisqu'on ne sait pas forcément où on va. Après, le business plan a d'autres intérêts. Hein, c'est un outil de vente, c'est un outil de contrôle. C'est Eisenhower qui disait le plan n'a pas d'intérêt, mais le planning a de l'intérêt. Donc, comme exercice, enfin, c'est un vaste sujet, hein, mais... C'est pas blanc ou noir, j'ai conservé les business plans que j'ai faits, parce que j'en ai fait un paquet. Et là aussi, vous ennuyez un peu le week-end, vous relisez les business plans que vous aviez écrits 10 ans avant, c'est,
Bah, c'est même pas drôle parce que ça vous a coûté assez cher, mais c'est un exercice assez intéressant. Mais qu'est-ce que vous présentez quand vous présentez votre entreprise, par exemple, les banquiers, si vous ne leur présentez pas de business plan? Ah, alors là, c'est en général alors, la question qui me coupe de un tiers de la salle. Je ne sais pas combien il y a de banquiers dans la salle, mais en général, c'est... quand je travaille avec des entrepreneurs, en général, ils viennent me voir en me disant, voilà, j'ai ce projet, etc., il me faut 30 000 euros. Et donc, je leur réponds, bah, donc, tu ne vas pas faire le projet. Mais si, parce qu'il suffit que j'ai 30 000 euros. Et donc, tu ne vas pas faire le projet puisque tu n'auras pas 30 000 euros. Et donc, en général, la question n'est pas j'ai besoin de 30 000 euros, donc il faut que j'ai un business plan puisque je dois aller voir mon banquier. La question, c'est pourquoi as-tu besoin de 30 000 euros? On n'a pas besoin d'argent. On a besoin de gens, on a besoin de machines, on a besoin d'espace. L'argent sert à obtenir ça. Donc, la question, c'est de savoir de quoi tu as vraiment besoin pour commencer. Et là, en général, un quart d'heure de discussion suffit à réduire le budget de 30 000 à 5 000 euros. En général, c'est assez rapide. Et après, c'est de se dire, bon, alors là, tu me dis que tu as besoin de 5 000 euros, mais ce n'est pas ça que tu me dis, en fait. Tu me dis que tu as besoin d'un local et d'une imprimante 3D. Je caricature. La question, c'est comment peux-tu te procurer un local et une imprimante 3D? Et donc là, application du principe, tu te tournes vers ton environnement et tu te demandes qui peut te procurer un local et qui peut te prêter une imprimante 3D. Donc, c'est de se dire comment peut-on se passer de l'argent qu'on ne va pas nous donner. C'est assez pragmatique. Hein, parce qu'on ne te le donnera pas, l'argent, de toute façon. Donc, on ne te le donnera pas. Donc, et ce n'est pas d'argent dont tu as besoin, c'est de ressources. La question, c'est comment obtenir ces ressources sans les payer. On a d'ailleurs, avec les étudiants, un exercice qui est terrorisant pour eux. On leur donne un crayon. Je ne sais pas si vous connaissez. On leur donne un crayon, on les lâche Place Bellecour. On est à Lyon, hein. On leur donne 3 heures pour revenir avec un objet qui a au moins 5 fois la valeur. Là, il s'agit d'obtenir quelque chose en donnant moins, hein, c'est un échange inégal. Donc, il faut menacer, supplier, pleurer, charmer, enfin, tout ce qu'ils veulent. On ne veut pas savoir, enfin, rester dans le cadre de l'égalité, c'est le seul contrat, hein, bien sûr. Enfin, du moment qu'on n'est pas au courant, c'est important. Et donc, on fait ce que fait, je crois, l'entrepreneur, c'est obtenir des ressources auxquelles il n'a pas droit, parce que c'est trop cher, donc il ne faut pas les payer, il faut les obtenir. D'accord. Donc, je pense que le côté financement est un biais auquel on a été formé. C'est pour ça que j'ai supprimé les concours de business plan, parce qu'à la fin, il y a deux choses qui me choquent. Hein, c'est de combien vous avez besoin? Oh, 500 000 euros, et puis c'est bon. Ouais, non, mais... Et après, et c'est quoi votre stratégie de sortie? Mais attendez, vous êtes à peine rentré, vous me parlez de stratégie de sortie. Donc, je pense que ça biaise beaucoup. Et donc, c'est dire, bah, si vous avez besoin de ressources pour démarrer, bah d'abord diviser par 4 le nombre de ressources, parce que vous pouvez démarrer à beaucoup avec des ressources bien moindres. Alors là, vous avez Lean Startup, etc. On va très vite avec produit minimum, etc. Et déjà, on s'aperçoit que 95% de ce qu'on pensait était faux. Donc, on économise déjà beaucoup d'argent qu'on aurait gaspillé. Alors, au bout d'un moment, quand le business model est stabilisé après quelques semaines, quelques mois, etc., là, il s'agit de grandir, de passer à l'échelle. Et là, bien sûr, on va avoir une stratégie de financement, parce que là, il s'agit de grandir. Il s'agit d'ouvrir des filiales dans le monde entier. On n'est plus vraiment dans la créativité, on est dans le passage à l'échelle. Donc, c'est un peu comme ça que je cadre le truc. Oui, moi, j'ai une question sur notre culture, on dira culture française, qualifions-la comme ça, notamment les études, etc., issues des grandes écoles ou autres. On dira le fait d'être persuadé qu'on est issu de la cuisse de Jupiter. Est-ce que ce n'est pas une difficulté pour entreprendre, difficulté derrière à s'associer ou à partager, enfin, etc. Est-ce que ce n'est pas un frein à l'entrepreneuriat? C'est un frein fondamental. Moi, je l'ai vécu. On utilisait beaucoup le UBI France pour faire des salons à l'étranger, vous avez sûrement. Donc, c'est un système génial. Il y a des perles comme ça dans le système français. Et donc, pour pas grand-chose, on peut être présent à un salon international. Donc, nous, c'était à Barcelone, le salon des télécoms qui a lieu en février. Et donc, il y avait une quinzaine de startups. Et alors, comme dans tous les salons, on est évidemment la tête dans le guidon pendant 3 jours. On arrive, on monte le stand, etc.
on décolle pas la tête du guidon, et puis arrive la fin du salon, et on se dit, bah, on n'a pas eu le temps de parler aux autres startups qui sont des gens comme nous. Et donc, je demande à la fille qui s'occupait du stand de me passer les adresses e-mail des gens qui étaient sur le stand. Et on leur envoie un mail en disant, bon, bah, voilà, on était sur le même stand, on n'a pas eu le temps de se parler, voilà ce qu'on fait. Si ça vous intéresse, sans idée de manœuvre, bah, vous nous répondez, et puis on se fera un plaisir de discuter comme ça. J'ai reçu 3 réponses, et les 3, c'était c'est inadmissible de faire du spam sur des carnets d'adresses comme ça. Et ils sont allés se plaindre à Ubifrance en disant qu'on avait fait du spam. Il y avait 15 personnes, hein, 15 entrepreneurs, même taille que nous, etc. Il n'y a que en France que j'ai vécu ça. C'est juste... Il n'y a que en France aussi que mon principal client a toujours refusé de faire un communiqué de presse pour dire qu'il nous avait choisi comme solution. Alors que mon concurrent faisait des communiqués avec Ericsson toutes les semaines. C'est intéressant cette question sur les moyens. Et moi, je voudrais la poser à l'envers. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un vrai grand succès si on a beaucoup d'argent au départ ? Si j'avais une réponse, c'est de dire que je pense que c'est plutôt un handicap. Je ne ferai vraiment pas de levée de fonds trop tôt. Enfin, là, je me coupe du tiers de la salle, là, je suis désolé, mais il ne faut pas d'argent trop tôt. Il y a un moment où il en faut beaucoup. Quand vous êtes Blablacar et que vous avez une stratégie mondiale, bah, vous levez 100 millions de dollars. Hein, mais c'est 10 ans après qu'ils aient démarré. Hein. Vous avez un article extrêmement intéressant de Paul Graham, Y Combinator, qui s'appelle « Do things that don't scale ». Et vous avez une version française qui a été faite par Oussama Hamar, coup d'État, et il raconte les débuts de Airbnb. Airbnb, ils sont allés prendre des photos, les deux fondateurs, hein, à New York, appartement par appartement. C'est-à-dire qu'au début, on fait des petites actions, etc. Et puis un jour, quand le truc est mûr, hein, parce que la première version de Airbnb, c'est un flop, hein, ils font un super site, hein, zéro, rien, il ne se passe rien. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils vont sur le terrain, ils vont frapper littéralement aux portes. Imaginez, à New York, ils prennent des immeubles, ils frappent aux portes. « Bonjour, vous avez mis une annonce sur Airbnb. Vous êtes un des 4 qui a mis une annonce sur Airbnb. » On va bien comprendre pourquoi. Et ils ont compris, notamment, que la photo avait un impact extrêmement important. Et ils ont pris un photographe professionnel, etc. Si vous avez de l'argent au début, ben vous y allez à fond. Enfin, on a tous vécu le « get bit fast ». T'évoquais la grande période des années 2000. Je me souviens m'être fait, moi, insulter par un capital risqueur. Alors, je tairai son nom par charité. Enfin, il a quitté le métier. Il m'a dit « Ouais, t'es pas assez ambitieux, c'est 5 millions. » Alors, à l'époque, c'était des francs. Maintenant, c'est des euros, mais c'est toujours 5 millions. Hein. « C'est 5 millions qu'il te faut, et si t'es pas assez ambitieux, dans 6 mois, c'est toi qui feras la pizza pour les entrepreneurs. » Bon, ça, c'était en début 2000. Moi, j'étais toujours en vie en juin 2000, et les autres, ils étaient morts. Mais je crois qu'il ne faut pas lever d'argent trop tôt. Parce que ça empêche... Le manque d'argent nous force à être intelligents et à aller sur le terrain. Le grand drame, c'est de ne pas aller sur le terrain. Airbnb, c'est le cas. Mazzella, il a fait les covoiturages lui-même, tout seul au début. Il y avait lui et son associé, ils faisaient les covoiturages eux-mêmes pendant 2 ans. Et ils passaient des week-ends entiers avec les rares gens qui allaient sur son site. Et puis un jour, le truc commence, là, l'effet boule de neige, etc. Et là, c'est une autre chose. Là, c'est de la construction et du passage à l'échelle. Et là, on lève de l'argent. Enfin, je pense. Merci Philippe. Merci beaucoup.